Adolbo Mistassini, difficile d'imaginer pire drame à quelques jours de Noël. Une fillette de 4 ans n'ouvrira vraisemblablement jamais ses cadeaux cette année. Jean, les recherches se poursuivent dans la rivière Mistassibi pour tenter de la retrouver. Voilà, le drame s'est produit vers 14h30 hier après-midi, ici même sur le site du motel Chute des Pères à Adolbo-Mistassini. Vous voyez donc les traces que vous voyez présentement de toboggan, en fait, de petite luge, et elle a glissé. La pente n'est pas très prononcée. Vous le voyez, il y a un premier palier sur lequel je me trouve présentement. Et elle a poursuivi sa course. Et regardez, j'attire votre attention, la clôture près de la rivière soulevait un certain endroit. Eh bien, elle aurait malheureusement glissé par ce trou pour malheureusement atterrir dans la rivière. Et depuis, les recherches donc sont demeurées vaines. On fait le point avec le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec. Donc, comment ça s'articule présentement sur le terrain? On a noté également la présence de l'hélicoptère. Effectivement, l'hélicoptère est toujours sur place depuis ce matin très tôt. Les plongeurs, nous avons également une équipe. Bon, on l'a vu cet après-midi, ça a pris une grue pour transporter l'embarcation sur le cours d'eau. Et plusieurs marcheurs, on a deux équipes de marcheurs qui sillonnent les berges d'un côté et de l'autre de la rivière. On le voit, là, c'est un courant. Ceux qui vivent ici ou ceux qui sont familiers avec le coin savent l'eau vive et l'eau claire à l'année en raison des forts rapides. Est-ce que ça complique le travail, justement, des plongeurs? Bien, définitivement, ça complique le travail. Et ils doivent étudier tout d'abord le cours d'eau pour voir s'il y a des points morts, s'il y a des points de ressac. Donc, oui, ça complique le travail. Évidemment, l'eau est très froide, les courants, le courant est très fort. Donc, il y a des dangers d'être emporté, même pour les plongeurs. Oui, c'est compliqué. On le voit, mais pour le moment, ça se déroule bien. On a toujours espoir de retrouver la fillette de 4 ans. Est-ce qu'au cours des derniers moments, vous avez élargi progressivement, fait le périmètre des recherches? Bien, les plongeurs se sont effectivement déplacés, quant à eux, un petit peu plus en aval sur la rivière, un autre secteur qui pourrait être propice. Et les berges sont faites à plusieurs reprises par les marcheurs parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Merci beaucoup, sergent Beaulieu. Évidemment, on va espérer pour le mieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées ici sur le site pour venir déposer des toutous en guise d'appui, parce que c'est un drame, évidemment, on s'en doute, épouvantable à quelques jours de Noël. Donc, perdre un enfant de cette façon, la mère, tout ça s'est passé sous les yeux horrifiés de la mère, évidemment, transportée à l'hôpital pour un choc nerveux. Donc, évidemment, on va suivre l'évolution de la situation au cours des prochaines heures. Que c'est triste. Merci beaucoup, Jean. On vous retrouve un peu plus tard. Je vous en prie.